Bonjour, la saison réservoir va attaquer. Et pour ce faire, ben, comme chaque année, il faut remplir la boîte d'imitation de Chironome, qui sont les imitations que je préfère parce qu'elles sont relativement simples et efficaces. Aujourd'hui, je vais vous montrer un Chironome que j'ai nommé le Kiragrum. Alors pourquoi le Kiragrum? Tout simplement parce que il est sur des bases de couleurs agrumes, c'est-à-dire le citron, l'orange, voilà. Pour ce faire, un hameçon de 12 type Bessant, associé à une petite bille laiton couleur jaune. Je vais venir fixer mon fil orange en partant de la tête jusque dans la courbure. Voilà. Alors vous allez voir, c'est très simple à monter et très simple d'utilisation. Là-dessus, je vais venir fixer un fil que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un fil garni de broches un peu brillants et qui va venir former tout simplement mon corps. Voilà. Ce fil, on le trouve hein, assez facilement. Je vous dis, c'est un fil brush. Je vais mettre une petite pointe de cyanolite pour dire de bien le fixer sur mon corps pour pas que ça glisse ensuite quand les poissons l'auront attrapé. Et je vais venir former mon corps par enroulement en spire jointive. Alors, vous voyez, ça forme un corps orange légèrement brillant. Alors attention de ne pas trop serrer le brush entre vos doigts parce que ce fil a une tendance à être un peu fragile. Mais surtout, vous allez enlever toute la partie un peu brillante qu'il y a dessus, ce qui enlèverait le côté un petit peu attirant du chironome. Donc je forme mon corps comme ceci avec mon fil brush. Donc on voit hein, que il y a quelques petites fibres qui sortent, qui sont des fibres un peu brillantes. Donc vous voyez, je vais très doucement, vraiment en spire jointive, je ne serre pas trop entre mes doigts, de façon à bien garder ces fibres bien aérées, qu'elles puissent ensuite nager, vibrer sous l'eau et donner de la vie à mon chironome. Je forme mon corps, voilà, sur toute la longueur. Voilà. Voilà. J'arrive derrière ma bille. À ce niveau-là, je viens simplement bloquer avec mon fil de montage orange. Alors, si vous n'avez pas du orange, c'est pas bien grave. Vous avez compris que le fil était dessous. Moi, c'est simplement pour dire d'être dans les teintes de mon kiragrum. Je viens, hop, faire 2-3 tours pour bloquer. Et là, je vais utiliser un dubbing dans les mêmes goûts, c'est-à-dire un dubbing brush avec quelques fibres brillantes que je viens simplement poser entre le pouce et l'index sur mon fil. Voilà. Alors pareil, hein, j'évite de faire des gros paquets, mais je mets suffisamment pour que ça puisse faire un beau thorax. Hop. J'enroule ensuite derrière ma bille pour bien la caler. Alors, il faut que le thorax, encore une fois, soit quand même bien représenté, de façon à vraiment créer une épaisseur derrière ma bille. Je vais ensuite faire une première demi-clé, hop, pour bloquer, une deuxième. Pour bloquer la première, je coupe.
Ensuite, je prends simplement un petit bout de scratch et je viens ébouriffer mon thorax. Alors, ça a deux effets. Déjà, ça donne un peu de vie quand ça va rentrer dans l'eau. Hein. Voilà. Et le deuxième effet, c'est simplement d'enlever les fibres qui ne sont pas prises dans mes boucles. Voilà. Hop, vous voyez, ça permet de donner un peu de vie à ce chironome qui, du coup, sera très vivant dans l'eau en descendant. La bille va lui permettre de descendre progressivement avec une nage très lente. Et tout ça va donner du mouvement. Ce qui fait que quand je mettrai des tirées progressives, le chiro va remonter et en redescendant, tout ça va se mettre en mouvement et créer en fait une attraction pour le poisson. Voilà le Kiragroom.